Salut les choubidous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne YouTube Bouchra et Mamad. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo YouTube, mais on revient, ça y est, c'est parti. Comme vous avez pu le remarquer, je ne suis pas accompagnée de mon petit choubidou. Là, j'attends ma sœur Sonia qui devrait pas tarder à arriver. Elle pense qu'on va manger tout ça en tête à tête et qu'après on va sortir, mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que le repas risque d'être très 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 épicé. Elle est même pas prête. Surtout qu'elle ne supporte pas le piment, la pauvre. Mais je sais pas, j'avais envie de la pranker. Ça faisait un petit bail. Je vais voir où elle en est. Je vais l'appeler là tout de suite. Hop, Sonia. La pauvre. Allô? Ouais, ça va? Ça va et toi? Ouais, t'es où là? Je sors de chez moi là. Ok. T'arrives dans combien de temps? Ouais. 15 minutes. 15 minutes? Ok, bah vas-y, ouais. Je vais préparer à manger. Ah, lourd, j'avais faim en plus. Vas-y, et toi, t'as tout le temps faim. Tu as bien mangé, t'inquiète. Ah oui, j'ai trop faim. Voilà, c'est merci. A tout de suite. On va patienter 15 minutes gentiment. En attendant, je vais vous parler d'une marque de bijoux qui s'appelle Purelay. Ils ont une qualité exceptionnelle. Ils sont résistants à l'eau. Vous avez plusieurs coloris, or, rose, gold ou argent. Voilà. Regardez, c'est les bijoux que je porte aujourd'hui. Je vais vous les montrer plus en détail. Donc là, nous avons le collier coin B. Voilà, avec la lettre B, bien sûr, comme Bouchra. Super beau. Avec la bague Precious Bold, avec le petit diamant qui retombe et le logo Purelay tout autour. Elle est super belle, celle-là. J'ai pris aussi le bracelet et la bague Glossy. Voilà, c'est un ensemble. Je trouve ça super classe. Ça va avec tout. Et les boucles d'oreilles Félix Gold. Elles sont super classe, super belles. Franchement, je suis trop contente de ma sélection. Purelay, j'aime trop. C'est de la qualité de ouf. Je vous montre les produits plus en détail. Vous avez le collier coin B en couleur gold. Le bracelet et la bague glossy. Vous avez la bague Precious Bold avec le logo Purelay tout autour. Les boucles d'oreilles Félix Gold. Voilà. Tout en détail. Les choubidous Purelay ont décidé de faire une folie en ce mois de novembre. Ils vous offrent moins 50% sur tout le site internet, mais pas que. Vous avez le droit à moins 20% supplémentaire avec mon code promo. Comme on dit, c'est le premier arrivé, le premier servi. Faites vite parce que c'est en temps limité et en plus les stocks vont partir comme des petits pains. Pour en revenir au prank que je vais faire à Sonia, regardez ce que je suis partie acheter. Les nouilles les plus piquantes au monde. La pauvre, déjà qu'elle ne supporte pas le harissa, le tabasco, tout ce qui pique, le piment. Alors ça, mon pote, ça va chauffer. Franchement, ça va être super drôle. J'ai déjà mangé ces nouilles avec Choubidou. On n'a pas pu les terminer tellement c'était du feu. De la lave même, carrément. Bon. C'est très facile à préparer. Hein. Vous avez juste à faire bouillir de l'eau, mettre les pâtes, les nouilles, pardon. Et puis... le tour est joué. Mettre la sauce ultra piquante et le tour est joué. C'est parti. On va en cuisine. Là, on va attendre que le bout... Alors, ça se présente comme ceci. Voilà. Ça, c'est les nouilles. Donc là, nous avons le sachet de piment ultra pimenté. Et là, nous avons... je sais pas ce que c'est, ça. C'est des algues ou je sais pas. On va commencer à mettre les nouilles dans l'eau. Hop. Ouh, je vais rajouter un deuxième paquet pour moi. Le deuxième pour moi. Ouh, je sais pas si ça va rentrer. Bon. On attend maintenant que ça cuit. On attend 5 minutes. Donc là, j'ajoute les épices. Hein. Hop. Je sais pas ce que c'est. On dirait des algues cheloues. Bon, c'est pas ça qui donne le plus de goût. Hein. On va ajouter la sauce piquante. Waouh. Purée. Ça me rappelle de mauvais souvenirs. Hein. Le premier sachet, le deuxième sachet, allez, toujours plus. J'ai préparé les deux assiettes, voilà, les portions sont équitables. Elle va pas tarder à arriver, elle m'a dit qu'elle est là d'ici 2 minutes. J'ai préparé la petite table, dîner romantique. Et là du coup, elle est en train de se garer, elle va pas tarder à sonner. Regardez. Allô? Allô? Ouais, vas-y. Ça y est, elle est en train de monter. Bon, la connaissant, elle va pas avoir le courage de me dire « Oh, c'est pas bon. Oh,
ça pue de ouf, qu'est-ce que t'as fait et tout. C'est ça qui va être marrant en fait. C'est ça qui va être super drôle. C'est qu'elle va, je pense, la connaissant, elle va se forcer à manger. Mais bon, vu que ça va être pimenté de fou aussi, on va voir. Ça va ? Salut, hein, ça va ? T'as faim, hein ? J'ai archi fond de ouf. T'inquiète, un plat de fou. J'ai fait des, je t'ai fait des nouilles à la sauce tomate. Ouais. Ouais. Donc là, elle est partie se laver les mains. Ça va être archi drôle. J'ai trop hâte. Alors... T'as déjà fait des nouilles comme ça ? Non. C'est super bon. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, tu rigoles ? Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu rigoles ? Qu'est-ce ? Pourquoi tu rigoles ? Ah ouais ? C'est bizarre, toi. C'est bizarre, tu me fais manger. Non ? C'est bon, hein ? Ouais. C'est bon, hein? C'est bon. C'est bon. J'en ai partout, là. Tu l'as bien faite. C'est bon, hein? Ouais. T'as fait comment? Mmh. Ah, bon. Je crois que j'ai attrapé froid là. Mon nez est cool. Qu'est-ce que t'as là? Elle doit refuser archi froid. T'es en rhume ou quoi? Je crois que je suis malade. Depuis hier, je suis malade. Donne-moi le sourire. Donne-moi le sourire. Non. Tiens, tu boiras après. Hein? Donne-moi le sourire. Là, je suis invitée. Je suis invitée. Je suis invitée. Je crois que j'ai mis un peu trop de piment. Hein. Non, ça va. C'est parfait. Ah ouais? Ouais. Tu trouves? Moi, ça, je trouve que c'est parfait. Ça va? Ouais, je trouve, hein. Bah, c'est mon petit ventre, il est fragile. Moi qui ne supporte pas le piment, je crois que ça va. Hein. Ça va ? Dans l'eau. J'aime bien manger les bordeaux là. Mec. Ça va dans l'estomac. T'es chelou toi. Je prends la mouchoir, ça ne dérange pas. Ah, moi je suis calme là. Déjà ? Ah oui. C'est bon. J'avais grave faim en plus. Bon, bah je t'attends, tu termines à manger. Après, si tu veux qu'on bouge, je finis après. Non, non, c'est bon, tu termines, t'inquiète. Vas-y, tu vois. Ça va, à quelle heure ? Va où en fait ? Je dois aller faire 2-3 courses là, vite fait. Où ? On s'en fait ça. T'es chaud ou quoi? Pourquoi? Je sais pas, tu fais des têtes bizarres. Non, et depuis hier là. Mon nid est cool. T'as fini toute la bouteille. Y'a plus d'eau. Non, non. Y'a plus d'eau. Je crois le jour de nuit. Non, c'est bon. Ah. Laisse. Laisse. Eh, ça pique de ouf, hein. Non, pas de ouf, t'exagères. Moi,
de ouf. Ma langue elle a un feu là. Ah ouais? On dirait. Genre, ça me pique moins quand je mange que quand je me suis arrêtée. Sérieux? Arrête de manger, tu vas voir. Non, ça va. Bon. T'es dégueulasse! Pourquoi tu craches dans l'assiette? T'es dégueulasse, c'est ça? Donc toi, je te fais à manger, c'est comme ça que tu fais. Hein? Désolée. Là, je suis en larmes, là. Ça va deux jours. Je me sens pas bien. Donc ça pique. Ça pique de ouf. Dans deux jours. Et là, non, je me sens pas bien. Je peux pas fermer ma bouche. Je ferme ma bouche. Ma langue, est-ce qu'on a que le truc en haut, là? C'est mort. Là j'ai envie de pleurer là. Wesh. T'es dégueulasse. Je fais pas. Je... Il me faut de l'eau. Là il faut que je rince ma tête sous la douche. Mais je marche pas bien. Désolée. C'est archi bon. Je peux plus. J'ai envie de rincer la bouche. Eh carrément ça pique de ouf. Là elle est partie se raser le visage. Elle est en PLS. Ma langue elle pique, ma gorge elle pique, tout pique. Là j'en peux plus. Je t'ai eu. Y'a quoi? Ouais, ta tête, t'es sérieuse là? Je peux plus. Je t'ai pranké. T'as fait quoi? Bah je t'ai mis. T'as mis un piment. Je t'ai fait goûter les nouilles les plus piquantes au monde. Hey, t'es fait, j'ai mal à la tête là. J'ai de la fièvre. Tu sais c'est quoi? Mais non, t'as pas de fièvre. T'as chaud, c'est tout. Tu sais c'est quoi, quoi la solution pour enlever le piment? C'est quoi? Faut manger du sucre. C'est où le sucre? C'est pas là. Je crois que c'est dans le dernier. Ouais. Arrête de mettre des coups d'haleine chez moi là. Stresse pas. Du sucre, pas des chips. Wesh, arrête de mettre des coups d'haleine là! Non, c'est bon, t'inquiète. Alors? Ça a neutralisé le piment. Ah, j'ai plus de la gueule, on dirait. T'as fait un mélange chez vous? Bah oui, mais ça neutralise le piment. Ça pique encore. Qu'est-ce que tu fais là? Je m'en fous. Donc c'est bon? Ça va pas neutralisé genre? Tu vas pas manger tout le sucre quand même. En fait, le piment il est parti. Mettez la chaleur du piment. Mm. Elle est restée en haut. Non mais ça va partir là. Tu t'écoutes. C'est bon? Il y a toujours la fumée. Eh vas-y rentre chez toi. Les choubidous, le prank est réussi à 100%. La pauvre, elle est en PLS, elle en peut plus. Elle est au bout de sa vie. Chapeau. Bon, la prochaine fois que je te ferai à manger, t'inquiète, je vais te préparer un vrai festin. J'espère. T'inquiète, je vais me rattraper. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Bouchra et Mamad, activer la cloche, petit pouce bleu, gros bisous. Prochaine vidéo, ce sera avec mon petit choubidou. À plus. Ciao.